Tout le monde, alors qu'on reprend place et que je vous vois les yeux grands ouverts reposés. est-ce qu'on peut dire un gloire à, Jésus gloire à Jésus? Vous avez remarqué, c'est une déclaration de foi. <laughs> euh, et oui, c'est comme ça a été mentionné aujourd'hui, c'est un jour de joie pour nous. Cet après-midi, lancement officiel après un mois de rodage de portail Montréal Nord, après yeah. des années de prières, de préparation. Donc, ce soir, 16 heures. Oui, donc, nous continuons les aux Romains. Vous savez, la Bible, la Bible veut dire le livre en grec littéralement, les livres, c'est le livre le plus influent de la planète, c'est encore le plus vendu. Et dans ce livre-là, l'épître majeur, c'est l'épître aux Romains qu'on étudie ensemble. Et dans cet épître, le chapitre le plus connu, c'est Romains 8, et on commence ce matin pour trois prédications, on est dans Romains 8. Et l'apôtre Paul, après avoir parlé qu'on est justifié par la foi, après avoir parlé que la, la, la loi, et maintenant je contextualise, que la religion ne sauve pas, il met l'accent, il a parlé du Saint-Esprit brièvement, mais dans le chapitre 8, il explique que ce que Jésus, alors que Jésus nous a justifié à la croix, comment c'est rendu concret dans nos vies, c'est par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul enseigne le Dieu Trinitaire, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu existant éternellement, trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est l'auteur du salut, le Fils accomplit le salut, le Saint-Esprit actualise le salut. Et dans ce texte-là, vraiment, tout ce qui se dégage, c'est la Trinité. C'est important de comprendre. Il y a des gens qui arrivent de différentes églises, peut-être nouveaux dans la foi, et de comprendre ce qu'est qu la Trinité et ce que n'est pas la Trinité. Vous savez, il y a des images des fois que les pasteurs donnent, et toutes les analogies généralement sont boiteuses. J'ai moi-même un historique d'analogies boiteuses pour expliquer la Trinité. Euh, on dit, certains vont dire que, par exemple, la Trinité, c'est comme un trèfle. Non, parce que si tu enlèves un trèfle à trois feuilles, si tu enlèves une feuille, le trèfle demeure. Maintenant, tu ne peux pas retirer le Père ou le Fils ou l'Esprit de Dieu. Dieu est un. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Ah, des fois, on a dit c'est comme un œuf. cest à dans un œuf, c'est un œuf, mais trois parties. Tu as la coquille, tu as le blanc, tu as le jaune. Mais non, c'est comme trois réalités. Quand je mange une, des œufs, un omelette, je ne mange pas l'écaille. Donc, et on n'adore pas trois dieux, on adore un seul Dieu. Est-ce que je peux entendre Amen? Certains vont dire c'est comme de l'eau, c'est-à-dire ces trois formes. De la même manière que tu as de la glace, tu as, euh, as de l'eau, tu as de la vapeur. Dieu, certains vont dire, dans l'Ancien Testament, c'est révélé sous la forme du Père. Dans le Nouveau Testament, c'est la forme du Fils. Et maintenant, Dieu se révèle sous la forme du Saint-Esprit. Non, Dieu est éternellement existant, Père, Fils et Esprit. Toujours, toujours, toujours. Avant la création du monde, Père, Fils et Esprit. Ça, c'est Dieu. Donc, non, ça s'appelle du modalisme. D'autres vont dire c'est comme le soleil. Tu as le soleil, tu as la chaleur, tu as la lumière. Donc, le Père et le, le, le soleil, le Fils et la lumière, l'esprit, la chaleur. Non, parce que la lumière et la chaleur sont un produit du soleil. Le Fils et l'esprit ne sont pas un produit de Dieu. Ils sont pleinement Dieu. Est-ce que je peux entendre Amen? Donc, l'analogie que j'ai, peut-être dans dix ans, je vais dire que c'est une mauvaise analogie, mais en date d'aujourd'hui, c'est la meilleure que j'ai, c'est celle de la pièce de monnaie. C'est-à-dire, tu as un côté pile, un côté face, tu as le contour. Mais tu peux pas extirper la face, la pile. C est, c est peu importe où tu le regardes, il y a la même valeur. Le Père, le Fils et l'Esprit sont dignes de la même adoration. Ils sont dieux, ce que je peux entendre amène Donc, c'est important de le comprendre. Je répète la définition. Nous croyons, et la Bible enseigne, un Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une parfaite unité relationnelle, chacun était pleinement et également Dieu. Donc, cela étant dit, Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit dans nos vies? L'apôtre Paul a parlé beaucoup de ce que Jésus fait. Maintenant, il commence à parler de ce que l'Esprit fait dans ta vie. Et la question que l'apôtre Paul pose à l'église de Rome, c'est, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que les gens portail, tu as reçu le Saint-Esprit? Donc, il enseigne maintenant, comment savoir si l'Esprit est dans ta vie? Donc, ouvrons ensemble Romains 8, verset 1 à 17. Comment savoir si l'Esprit est dans ma vie? un chapitre extrêmement pratique. Donc voici ce que dit la parole de Dieu. Après avoir dit la semaine dernière, il y a une super prédication de prédication de, de Sam, alors que je courais, j'écoutais sa prédication, puis je disais amen, amen en courant, puis les gens me regardaient bizarrement. C'est un autre message, mais vraiment, puis il termine en disant qui me délivrera hein, qui me délivrera Et le Saint-Esprit commence cette œuvre de délivrance de la chair. Est-ce que je peux entendre un autre amen OK, voici ce que dit la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Maintenant, regardez le verset 12. Ainsi donc, frères, sœurs, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, mais pour vivre encore, je reprends, nous sommes débiteurs. Mais non de la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père! L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et courritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Wow! OK, quatre questions. L'apôtre Paul va dire à plusieurs reprises si vous avez l'esprit, si vous avez l'esprit, si vous avez l'esprit. Quatre choses, quatre évidences que le Saint-Esprit dans ta vie. Première chose, le texte commence en disant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit, la puissance de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Première question. Est-ce que l'esprit t'a libéré de la condamnation? Est-ce que concrètement, l'esprit t'a libéré de la condamnation? Le texte dit est-ce que le texte dit il n'y aura lors du jour du jugement aucune condamnation? Non, le texte dit il n'y a maintenant. Beaucoup de chrétiens ont la difficulté à se défaire de la condamnation. Et la Bible commence en disant il n'y a plus de condamnation C'est important de comprendre. Tout juste avant d'arriver ici, avant de, 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 de monter en chair, j'ai André, notre responsable du bâtiment, qui vient me voir et il me dit Ouais, t'as fait un beau dégât. Moi, je suis pasteur principal, je ne fais pas d'erreur. Il me dit, as fait un beau dégât. Il dit, non. Petit tu sais, premier réflexe, c'est non. Je ne sais pas de quoi il parle, mais c'est sûr, que je ne suis pas coupable. Il me dit Tu t'es pris un café, joué? » Il me dit Quand tu t'es pris un café tout à l'heure, il dit Tu es parti, mais le, le bouton, il reste enfoncé. Donc, le café devait être dans la cafetière, maintenant, il est sur le plancher. Donc, je dis Ce pas grave, donnons une paille à ceux qui veulent boire du café, c'est tout. <laughs> Puis, voyez-vous, quand la Bible dit Il n'y a plus de condamnation, c'est pas que la condamnation n'existe pas. La Bible dit précédemment dans Romains que la condamnation s'étend à tous les hommes Nous sommes tous coupables. C'est pas que, souvent, les chrétiens, il y a des gens qui disent non, mais il n'y a plus de condamnation, Et c'est comme si elle est disparue. Non. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, pour ceux qui se confient en Jésus, pour ceux qui sont justifiés en Jésus, la condamnation, c'est le contraire de la justification. Et ce que Paul dit, c'est que ceux qui sont en Jésus sont justifiés. Et comment ça fonctionne? Non seulement il t'a justifié à la croix, mais le Saint-Esprit l'applique dans ton cœur, et c'est pourquoi il dit l'Esprit m'a libéré de la condamnation. Pourquoi plusieurs chrétiens continuent de se sentir coupables devant Dieu de marcher dans la condamnation? Exemple du monde criminel. Lorsqu'on veut se débarrasser d'un corps, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on le met dans la rivière ou dans le fleuve. Le problème, c'est que les corps remontent. On fait ça avec nos péchés. Nos péchés, on les jette dans l'océan, on les jette dans la mer, puis on espère que ça ne va pas revenir, mais des fois, nos péchés reviennent nous hanter. Des fois, le péché qu'on avait caché il y a plusieurs mois, plusieurs années remonte à la surface. C'est toujours là, dit. Mm -hmm -hmm. Et quelquefois, la mafia, pour s'assurer que les corps ne remontent pas à la surface, vont les mettre, vont mettre des blocs de ciment pour que le corps reste dans le fond. reste ça va être édifiant, là. Restez avec moi. C'est quoi qui parle? Il me donne un, un cours de, de criminel 101. Euh, et là, j'ai déjà dit ici qu'au Nevada, avec tous les, 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 les changements climatiques, il y a une rivière, une rivière qui était reconnue. Ou c'est la rivière préférée des mafieux pour mettre les gens qui se débarrassaient. Et là, le niveau a baissé et les, les corps commencent à apparaître. Tôt ou tard, nos péchés apparaissent devant Dieu. Soit qu'ils remontent, lors du jugement, ça dit quand même les, la mer rend les corps. Okay? C'est-à-dire, il y a une réalité, tôt ou tard, on va faire face au péché. La seule manière de ne pas être coupable, c'est quand tu confesses ton péché. Pourquoi? Comment fonctionne la condamnation? C'est la peur d'être dévoilé. Quand tu reconnais tes péchés, quand tu les mets entre les mains de Dieu, ils sont pardonnés. Tu n'as plus de condamnation parce que tu n'as plus peur d'être dévoilé. C'est ça la puissance de l'Esprit dans ta vie. La puissance t'amène à marcher dans la repentance et à croire que Jésus te justifie, que tu es tout pardonné. Est-ce que des gens qui croient que tous leurs péchés sont pardonnés? Donc, l'Esprit brise la condamnation dans ta vie. Et regarde la deuxième chose, verset 3 à 8. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Regarde le verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont les tendances de l'esprit. Quelles sont tes tendances? Quelle est ta tendance spirituelle? Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie, la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Deuxième question pour savoir si l'esprit agit dans ta vie est-ce que tu marches par l'esprit Vous savez, lorsque j'ai voulu euh, m'acheter une ça, je trouvais ça très viril d'aller m'acheter une ça. J'ai des arbres sur mon terrain. Tu as un choix à faire. Est-ce que tu veux une chaîne de ça, une scie mécanique, pardonnez-moi. Est-ce que tu veux une scie c'est vrai pour tous les outils. Est-ce que tu veux à essence ou à batterie? Il y a deux modes de fonctionnement. Maintenant, dans l'humanité, il y a deux modes de fonctionnement. Tu marches soit l'esprit, tu marches soit la chair. Il y a deux carburants. Il y a deux modes de fonctionnement. Et Paul dit que par nature, sans Jésus en Adam, nous sommes sous l'emprise de la chair. C'est quoi la chair? La chair, c'est pas ton corps. La chair, c'est ta nature pécheresse, égocentrique, hostile à Dieu. La chair, ok, je veux que tu, veux que tu le marques là. La chair, c'est ta nature pécheresse, égocentrique. Elle n'est pas christocentrique ta chair. Égocentrique, hostile à Dieu. Et ça, c'est un problème, parce que si tu marches par la chair, L'aboutissement, c'est la mort. Jésus est venu afin de briser la chair dans ta vie, te permettre de marcher par l'Esprit. Dit Amen, c'est toujours avec moi. Il dit, pourquoi? Parce que la chair rend la loi sans force. Pourquoi? Tu peux lire la Bible, mais si tu n'as pas l'Esprit, la parole de Dieu comme ça, elle fait simplement te révéler ton état pécheur, elle ne te transforme pas. C'est comme cet homme qui est un homme qui est problème, puis il revient souvent à la maison sous. À un moment donné, il se dit... OK, il faut, faut que je trouve une, une manière de contourner parce que ma femme m'attend. Donc il est au bar, puis là, il boit, il boit, puis il se dit je vais. Je vais rester jusqu'à trois heures le temps qu'elle s'endorme. Puis ça donne qu'il commence à se battre, puis tout te là, ça va pas bien. Là. Okay? Le gars, il est sous, il s'est battu, des est partout. Et là, il arrive à la maison, puis son plan, c'est Il faut pas que ma femme, ma femme me poigne comme on dit en hébreu. Et là, il arrive. Et là, sa femme il se rend compte qu'il est couché, puis il est content. Là, il passe à la salle de bain, puis là, il regarde dans le miroir. Il voit que la lèvre est tumifiée, il y a du sang, cool. Et là, il dit Ok, il faut, faut que je règle ça. On se regarde dans le miroir, cherche la boîte de, de plaster. Comment est-ce qu'on dit plaster en bon français Diachilon Pansement, OK. Pans 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 plaster, excellent, OK. <laughs> Et là, il met les plasters. dit Comme ça, ça va, elle va se rendre compte de rien, tu il va se coucher. Le lendemain, sa femme le réveille, elle dit Hey elle dit « Tu es encore à faire jouer au bord, tu es encore revenu complètement chaud à la maison. »« oh Non, non, non. » Elle dit « Tu t'es battu en plus. »« Ben non, ben non. » Elle dit « Oui, je le sais, arrête de mentir, je sais que tu es revenu complètement chaud à la maison. »« Non, non, non. » Elle dit « Ok, peux-tu m'expliquer comment ça se fait que plein de plasters sur le miroir de la salle de bain ?» La loi révèle ton état, mais elle te transforme pas. Le problème, c'est pas la loi. Le problème, c'est notre chair. Le problème, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est sainte, elle est bonne. Le problème, c'est qu'on a besoin de quelque chose d'autre pour nous donner la capacité de changer. Est-ce que je peux entendre Amen? Et cette autre chose, par l'œuvre de Jésus, c'est le Saint-Esprit. La chair rend la loi sans force. La chair, par nature, on est ennemi de Dieu. Quand tu nais, il y a des gens qui, tu, tu grandis, tu penses que toi, tu es un ami de Dieu. Par nature, notre chair est hostile à Dieu. C'est comme quand mon chat voit un oiseau. Et par nature, la parole de Dieu, de la présence de Dieu, tout ce qui est bon de Dieu, nous sommes hostiles. C'est comme le, notre chair se braque. Notre chair, fondamentalement, se braque. Elle est hostile à Dieu. La Bible dit elle est ennemie de Dieu. Elle est même incapable de se soumettre à la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il y a une limite à ce que tu peux changer dans ta vie. Ta chair est incapable de se soumettre à Dieu. Okay. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire, mais on dit que biologiquement, je sais pas biologiquement comment est-ce qu'on dit, mais c'est à peu près impossible de se lécher le coude. Il y a des gens qui le Il y a du monde qui l'a essayé comme moi. C'est vrai. Tu es incapable de faire ça. Et rare, de quelques rares personnes, exception, peut le faire avec beaucoup de pratiques, beaucoup de pratiques et beaucoup de temps libre. <laughs> Puis c'est qu'une incapacité. Dans ta chair, il y a une incapacité à se soumettre à la parole de Dieu. Tu as besoin d'aide. Est-ce que je peux entendre Amen? Est-ce que ça dit que tu es incapable? Et la chair ne peut plaire à Dieu. Ta nature pécheresse, égocentrique, hostile à Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Et tu peux tenter d'améliorer ta chair, mais sans Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu peux prendre un cochon, tu peux lui mettre du rouge à lèvres, tu peux lui mettre du parfum, ça reste un cochon. Tu as besoin d'application? Par nature, nous avons un caractère de cochon, certains plus que d'autres. Mais tu peux maquiller ta chair, tu peux parfumer ta chair, tu peux tenter d'améliorer ta chair, mais tu ne peux pas changer le fait que ta chair est chair, elle est hostile à Dieu et tu as besoin d'être sauvé de ça. Et non seulement sauvé de manière à la croix, de manière légale, mais pratique, par ton expérience, le Saint-Esprit veut appliquer l'œuvre de Jésus. Et c'est pourquoi ça dit que Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable au péché. Ça veut dire quoi? Jésus, il est pleinement homme. Pourquoi qu'il est semblable? C'est-à-dire que lui n'a pas commis le péché. Et il a apporté une solution au péché. En nous réconciliant avec Dieu, il permet à l'Esprit de Dieu de venir en nous. Le but de Dieu, écoute bien, le but de Dieu, ta justification, et de pouvoir mettre en toi son esprit afin de faire de toi un enfant de Dieu capable d'obéir à la parole de Dieu, qui plaît à Dieu et qui vit pour glorifier Dieu. Ça, ça s'appelle marcher par l'esprit. Maintenant, tu ne peux pas marcher par l'esprit, par la chair, tu dois choisir. Vous savez, quelqu'un a déjà dit, c'est ce que Paul enseigne, hein, il y a comme un processus, les tendances, puis en grec, c'est l'esprit, les pensées. Sème une pensée, tu vas récolter une action. Sème une action, tu vas récolter une habitude. Sème une habitude, tu vas récolter un comportement. Sème un comportement, tu vas récolter un caractère. Sème un caractère, tu vas récolter une destinée. Et c'est ce que Paul dit, c'est que les tendances de l'esprit, les tendances de la chair, c'est un processus. Exemple, je prends trois péchés répandus chez les chrétiens l'incrédulité, la rancune et la convoitise. Okay? L'incrédulité, ça commence, ça commence toujours dans ta tête. Le diable te bombarde d'inquiétudes, te bombarde de toutes sortes de choses, que Dieu, des éléments contraires à la parole de Dieu. Maintenant, si tu nourris ces pensées, qu'est-ce qui prend place? Tes pensées amènent des actions. Ça à dire que concrètement, tu ne te confies pas en Dieu. Et quand tu fais ça pendant un petit bout de temps, ça devient une habitude, ça devient un comportement. Et à un moment donné, tu te rends compte que tu es un incrédule. Ça a toujours commencé dans ta pensée. Ça a toujours commencé par ta foi, par ton cœur. Et un incrédule n'hérite pas du royaume des cieux. Si ça te définit, c'est ce que Paul dit. Par exemple, la rancune. Quand il y a quelque chose dans ta tête, tout le monde ici, il y a des situations. Si tu choisis de ne pas bénir, de ne pas relâcher, de ne pas prier, il se passe quoi? Ça va se transmettre dans tes paroles. Tu vas commencer à parler dans le dos des gens. Après ça, ça se transmet dans ton habitude. Puis à un moment donné, tu deviens ton caractère et rancunier. C'est vrai que la convoitise. Ça commence dans toute les, la bataille fait rage. Tu es là, tu vois ta collègue, là, tu t'imagines des affaires. C'est pas jouer au Et là, tranquillement, et, et, si tu ne mets pas fin à ces pensées-là, va amener une action. À un il y a un petit flirt qui s'installe. Un petit flirt. Et là, pour ça, il y a une action, puis là, il y a d'autres choses, une habitude, un comportement. Il y a un caractère. Tu es, es un convoiteur, ça te définit. Et la Bible dit que ceux qui marchent par la chair vont mourir. Pourquoi? Parce que c'est deux modes différents. Écoute-moi bien. Le chrétien charnel, OK, n'existe pas. Qu'est-ce que je veux dire? Évidemment, un chrétien peut être charnel. Moi, lorsque je suis venu à Jésus, on me disait, tu sais, il y a des chrétiens qui ont, qui ont accepté Jésus, qui ont fait la prière de repentance. Ils n'ont pas de transformation dans leur vie. Ils sont là le dimanche, ils sont impliqués. Mais c'est juste des charnels. C'est un chrétien charnel. Mais tu ne vois pas ça dans la Bible. Un chrétien, quelquefois, on retombe dans la chair, mais ce qui nous définit, nous ne sommes pas sous l'emprise de la chair, nous sommes sous l'emprise de l'esprit. Est-ce que je peux entendre amen? C'est un monde de différence. C'est un monde de différence. Vous savez, c'est comme, il n'y a rien de... de tu ne peux pas mettre de l'eau et du feu ensemble. Hein, tu ne peux pas dire, mais ben moi je suis un chrétien né de nouveau par l'esprit, mais ben je suis sous l'emprise de la chair. Non. On fait des catégories, c'est comme Spurgeon va dire, il y a autant entre le péché et la grâce qu'il y a entre l'eau et le feu. Ah, tu ne peux pas dire, moi, je fais un foyer, mais en même temps, je continue de l'arroser. C'est un ou l'autre. Soit que l'eau de l'esprit éteint les flammes du péché, ou soit que les flammes de la chair vont assécher l'esprit. Il faut qu'il se passe de quoi? C'est un ou l'autre. Et la Bible dit ici, encore une fois, que tout ça est un processus marché par l'esprit. Maintenant, le chrétien n'est pas défini comme étant charnel, mais comme étant spirituel, qui lutte encore avec sa chair. On a le vieil homme qui gigote encore. Il faut l'achever. C'est quoi l'application okay. Qu'est-ce que Paul veut dire Beaucoup de gens qui se disent chrétien, 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 puis on l'enseigne beaucoup au Portail. On devient chrétien par la foi seule, mais la foi qui sauve amène toujours une transformation. Jésus a dit que c'est tellement simple, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si tu te dis chrétien, puisque tu produis, c'est continuellement de la chair, pose-toi des questions. Si tu es un pommier, puis que tu portes continuellement des bananes, pose-toi des questions. Ça se pourrait que tu ne sois pas un pommier. Et la Bible dit que la chair, l'œuvre de la chair dans ta vie révèle quelque chose. Donc, c'est un processus. Mais celui qui est en Jésus, il a le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, le Saint-Esprit nous transforme et nous amène à marcher par l'Esprit. Est-ce que je peux entendre un autre amène? Donc, est-ce que tu marches par l'Esprit? Il continue. En disant, ceux qui marche par l'Esprit, est-ce que tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi? Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, es tu es ici peut-être que tu nous visites depuis quelques temps, peut-être que tu dis, moi, j'ai reçu Jésus, moi, tout ce que tu dis, je dis, amène, 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 La question, c'est, as-tu la conviction? As-tu reçu? Est-ce que l'esprit habite en toi? Est-ce que l'esprit habite en toi? Si l'esprit habite en toi, ça va paraître. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui... Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a récité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Écoute bien, versets 12 et 13. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, nous avons une dette de gratitude, une dette d'amour, une dette de louange, une dette d'adoration. Mais quoi, cette dette-là, ce n'est pas envers la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Wow! OK. La définition biblique d'un chrétien, je l'ai souvent enseigné, c'est un véritable chrétien, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Okay? Si tu n'as pas l'Esprit de Jésus en toi, tu n'appartiens pas à Jésus. C'est ce que Paul dit. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ n'appartiennent pas à Christ. Maintenant, il y a quatre évidences que le Saint-Esprit habite en toi. Premièrement, tu appartiens. Okay. Est-ce que je suis seul, qui de plus en plus, peut-être que je vieillis, quand je vais au centre d'achat, je ne sais pas où est ma voiture? Tu y du monde comme moi. Des fois, c'est gênant, là. Des fois, c'est comme tu marches et tu fais le tour du centre d'achat. Tu te dis, est-ce que je suis venu en voiture? <laughs> Puis, il y a quelque chose de... Il y, y a eu une, une invention révolutionnaire qui, qui a changé ma vie. Qui change ma vie. Vous savez, dans tes clés, là, tu as un petit bouton. Bip, bip. Des fois, tu cherches quand même. Mais bip, bip. Ah! Ta voiture. Ce bip, bip, là, comment Dieu connaît ce qui lui appartient? Quand Dieu Le Saint-Esprit en toi, il y a quelque chose, quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Tu appartiens à Dieu. Le Saint-Esprit à toi va toujours, veut toujours te ramener à Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es influencé par l'Esprit. Il y a une influence du Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que tu sens l'influence du Saint-Esprit dans ta vie? On la voit de plein de manières. Je donne un exemple. Quand tu es sur l'autoroute, tu pars dans la lune ou tu t'endors. Il y a des bandes rugueuses sur les côtés. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand tu quittes le chemin, il devrait y avoir un dans ta vie. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui va popper, le Saint-Esprit te ramène dans le droit chemin. Le Saint-Esprit ne veut pas te laisser t'éloigner. Je pense entendre amène ». Tu as aussi la vie de l'Esprit en toi. Vous savez, par nature, on était morts. Maintenant, il y a un moment donné où Dieu, dans Sa grâce, a nous a envoyé un électrochoc spirituel. C'est deux vies totalement différentes. J'ai vu, j'avais une vie sans Jésus, une vie avec Jésus. Je sais c'est quoi la vie sans Jésus, puis je sais c'est quoi la vie avec Jésus, puis je ne veux pas retourner en arrière. Parce qu'il y a une vie de l'esprit. La vie n'est pas toujours facile. On n'est pas toujours en haut de la montagne. On n'est pas toujours dans la gloire, puis dans les cantiques, puis des, dans le kumbaya. Mais il y a la vie de l'esprit à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui a changé. Et quand l'esprit est en toi, non seulement tu as cet esprit, mais cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Wow! Ça, ça veut dire que je peux mourir live, comme diraient mes enfants. Je peux mourir live. Mais j'ai l'espérance de la résurrection. Parce que l'esprit que récité Jésus habite en moi. Hein, quand on était jeunes, on voulait tous les souliers de Michael Jordan. Est-ce que je suis seul ou. Euh, le monde qui me regarde, tu es sûr que tu veux donner cette illustration-là? Tu n'es pas très crédible. Oui. Hein, on voulait les souliers de... Puis quand tu avais des nags, tu avais l'impression d'être. T'es es meilleur parce que tu veux ce que Jordan a. Ah, puis tu pourrais, pardonnez-moi, je gars là, puis pourrais, les petites filles, vous vouliez quoi quand vous étiez petites? Barbie, Barbie. <laughs> c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. <laughs> mais tu veux comme, ou, ou tu veux, tout dépend là des générations, mais tu veux, tu vu, euh, hein, tu vois Beyoncé qui avait le petit micro avec des diamants, tu veux le même micro, puis tu penses que tu chantes comme elle? Non. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de quelqu'un que tu vénères, puis tu as l'impression que quand tu l'as, tu partages quelque chose. Nous avons l'esprit de Jésus, que nous adorons, nous partageons quelque chose avec lui, nous allons ressusciter. L'espérance de la résurrection. Et c'est pourquoi nous sommes débiteurs de l'esprit, c'est-à-dire on a une dette, une dette positive, non pas la dette du péché, mais juste comme on veut le servir par une motivation, il y a un désir de marcher par l'esprit, pas parce qu'on est obligé. Parce qu'on est tellement reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. On, est tellement, on ne veut pas gaspiller l'œuvre de la croix dans nos vies. Nous ne voulons pas gaspiller une goutte du sang de Jésus. On ne veut pas gaspiller ce Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, qui est précieux. C'est Tim Keller qui va dire. Puis on parle de la mortification. Hein, C'est ce qui est fait mourir. C'est-à-dire de la vie de l'Esprit, fait mourir la chair. Hein. Toujours deux choses. Parenthèse. Si tu es nouveau dans la foi, okay, prépare-toi là. Il y a toujours les deux côtés. Il y a la vie de l'esprit, puis il y a des choses qui meurent en toi. Tu as, as comme la louange, puis tu as des pleurs. Tu as toujours la. Ça va ensemble. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir les deux mondes. Tu ne peux pas avoir le meilleur des deux mondes. Tu ne peux pas avoir le royaume de Jésus, la vie éternelle, puis savourer le péché, le royaume du diable. Puis ça ne va pas ensemble. Et il y a des choses qui vivent en toi, puis il y a des choses qui meurent en toi. Et ça s'appelle la mortification du péché. Et ce que Tim Keller va dire, la mortification de la puissance du péché en toi s'opère en focalisant sur la rédemption de Jésus. D'une manière qui ramollit ton cœur avec gratitude et amour. La motivation pour marcher par l'esprit, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est la gratitude et l'amour. Ce qui t'amène à détester le péché pour lui-même. Hein, parce que le péché mignon, on l'aime, mais quand on réalise que ce péché est ennemi de Dieu, quand on réalise que Jésus est mort pour ce péché, qui a été cloué pour ce péché, l'enfant de Dieu ne peut que détester son péché qu'il chérit. Je l'ai dit comme ça, détester le péché que tu chéris. Donc, qui t'amène à détester le péché pour lui-même et de lui faire perdre son pouvoir d'attraction sur toi. Parce que c'est là, là que ça joue, c'est le pouvoir d'attraction du péché. C'est pourquoi la Bible dit, faites mourir le péché. C'est John Owen sur le meilleur traité sur la sanctification que tu peux lire, qui a été écrit il y a plusieurs centaines d'années, il va dire. Si le péché n'est pas tué quotidiennement, il se fortifiera. Le péché ne meurt jamais de lui-même. À tous ceux qui ont encore des péchés dans leur vie, donc 100 des gens qui m'écoutent, le péché dans ta vie ne va jamais mourir de lui-même. Des fois, on pense On pense qu'à un moment donné, là, il va se calmer. Est-ce que quelqu'un t'arrive à la maison puis tu vois des coquerelles et tu dis Ce pas grave, ils vont s'en aller à un moment donné? Elles vont déménager. Ah, il y a, du, il y a de la moisissure. C'est pas grave, pas grave. La moisissure, elle, elle progresse, puis à un moment donné, elle va régresser, puis elle va disparaître. Non. Tu sais que si tu ne fais rien, ça se propage. Le péché que tu n'attaques pas, que tu ne tues pas, se propage. Et c'est pourquoi, encore une fois, le chrétien, n'essayez pas juste content de dire mes péchés sont pardonnés. Tu as la puissance pour tuer ton péché. À ce que Jésus veut dans ta vie, ce n'est pas juste comme solutionner le péché, régler le péché. Il veut tuer le péché, zigouiller le péché. Tu devrais faire cette prière à Seigneur, zigouille le péché en moi. Et je termine. Verset 14 et 17. Et je sais, j'ai lu le texte, je le relis parce que, parenthèse, vous savez, on, a, on a un dimanche, puis souvent, les, les, le peuple de Dieu... A, a, Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui passe du temps dans la parole de Dieu. Et je trouve c'est important de le lire une fois et de le rallier par section. Je sais que je l'ai lu deux fois, mais je pense qu'on ne peut pas trop lire la parole de Dieu. Donc, euh, je sais que pour certains, ça peut être redondant, mais, mais c'est important. Donc, je termine. Je relis la dernière section, versets 14 et 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».« Abba, Père », mot aramien qui veut dire, en quelque sorte, « Papa », mais c'est « Père »,« Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Donc, comment savoir si l'Esprit dans ma vie? Un, est-ce que l'Esprit t'a libéré de la condamnation? Deux, est-ce que tu marches par l'Esprit? Trois, est-ce que l'Esprit habite en toi? Puis il y a des évidences. Et quatre, est-ce que l'Esprit témoigne que tu es enfant de Dieu? Là aussi, il y a quatre évidences. La première chose, ceux qui ont l'Esprit sont conduits par l'Esprit. Ça ne veut pas dire que tu as des décisions, puis finalement cet Esprit te dirige. C'est plus que ça. C'est-à-dire, ceux qui ont l'Esprit ont un style de vie dirigé par l'Esprit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on devrait voir dans la vie du chrétien qu'il est conduit par l'esprit quelque chose de différent. Vous savez, quand, quand on, on va dans le ministère Clique, on voit des enfants, à un moment donné, je vois des enfants passer, puis c'est drôle. Des fois, une grande église, je ne peux pas toujours, hein, il y a beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens, il y a des gens, je ne peux pas nécessairement rattacher l'enfant au bon parent, Mais des fois, tu vois l'enfant, et tu sais, c'est qui son parent Là, Il y a du monde, il y a des parents qui deviennent inquiets. Non, non, c'était bon, c'était un bon point. Ah, hein, Tu regardes un enfant, tu dis, je sais, c'est qui son père. Quand on regarde à toi, on devrait dire Je sais c'est qui son père. Donc, nous sommes conduits par l'Esprit. Deuxièmement, nous avons une relation sans crainte avec Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus peur de Dieu. Tu n'as plus peur de Dieu, tu n'as plus peur de ce que Dieu pourrait faire, de ce que Dieu pourrait t'envoyer. De... Vous savez, mes enfants n'ont aucune crainte avec moi. Ah, hein, mes enfants, vous savez, mes enfants sont grands, puis. Même s'ils n'habitent plus à la maison, lorsqu'ils arrivent à la maison, ils, ils, ils cognent pas. Ils rentrent. C'est les seuls qui peuvent faire ça. Si mon voisin arrive, il ouvre la porte comme ça, hey, 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 hey. Je ne peux pas faire ça. Les enfants sont sans crainte. Ils hein, sont là, arrivent comme. Puis euh, hey, salut papa! Arrive, Ça va dans le frigo? Aucune crainte à jouer des bénédictions du Père. J'ai besoin l'application? Quand on, a, on est enfant de Dieu, il n'y a pas de crainte dans notre relation. Il n'y a pas de crainte avec Dieu et on, on a les bénédictions du Père et on, on s'approche de Dieu sans crainte en Jésus. Troisièmement, il y a, il y a une prière, il y a l'Esprit, il, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit ah père. Une des manières de savoir que une des évidences du Saint Esprit, encore une fois, c'est quand il, il se produit des choses, c'est l'instinct de prière. Vous savez, quand un enfant naît, c'est quoi la première chose qu'on veut? Je veux l'entendre pleurer. Bravo, je t'avais donné le cue, tu l'as respecté, merci mon chum. On est à tel niveau au portail. Il y en a un qui suit, il y en a un qui suit. Mais l'enfant, c'est que, ah, c'est naturel. Hein, ce qui est naturel pour l'enfant, et ça, ce pas naturel dans la chambre, mais ce qui est naturel pour l'enfant de Dieu, c'est, ah, il y a continuellement, et là, je ne te parle pas de, est-ce que tu pries tant de temps, c'est est juste, est-ce que continuellement, régulièrement, dans ta vie, il y a toujours une prière vers Dieu, tu parles à Dieu, tu, tu, tu chantes à Dieu, tu remercies Dieu, tu, Dieu est dans ta vie, il y a quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Et la Bible dit, nous sommes héritiers. Et dans le contexte où nous avons été adoptés, dans le contexte, vous savez, la Bible parle d'adoption et euh, souvent on a notre contexte moderne hein, où on adopte un enfant pour avoir un enfant, tout ça. Dans, dans l'Empire romain, dans la culture gréco-romaine, l'adoption était différente. On, on adoptait souvent quelqu'un, on choisissait un héritier. Par exemple, tu as des enfants et tu dis, bon, mais mes enfants sont, 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 sont incapables, sont indignes. Tu vois le voisin, tu dis, lui, je vais l'adopter, puis c'est lui qui va devenir mon héritier. La Bible dit que quand de l'esprit de Dieu, il atteste à l'intérieur de toi que tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu, Dieu t'a choisi, Dieu nous a choisis, et quand tu as le Saint Esprit à l'intérieur de toi et que tu comprends l'œuvre de la grâce de Jésus, ce qui sort de ton cœur c'est pourquoi moi, pourquoi moi, est-ce que je suis seul qui dit pourquoi moi? Si tu dis Dieu t'a fait une bonne affaire, j'étais le bon choix pour toi, ça c'est la chair, Mais pourquoi moi? Pourquoi m'avoir sauvé Pourquoi t'es révélé à moi Pourquoi me chercher dans mon péché Pourquoi continuer de me pardonner, de me laver, de me transformer Pourquoi t'abandonnes pas avec moi Pourquoi moi Cet Esprit dit parce que tu es héritier, avec, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Pendant que les vient viennent me rejoindre, j'aimerais terminer comme ça avec un punch. Mais l'apôtre Paul n'a pas le sens du punch. L'apôtre Paul, il, il termine. Si vous savez, les pasteurs, on enseigne aux pasteurs, tu termines, conclusion. On termine fort. Paul dit Regarde comment ce qu'il termine. Moi, j'aurais arrêté, mais bon, j'en parlerai avec lui au ciel. Regarde bien le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Point. Non, il continue. Si toutefois, nous souffrons avec lui, ça allait bien jusqu'à maintenant, afin d'être aussi glorifié avec lui. C'est intéressant que Paul, ah, qui parle de, de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, très, très, très réaliste et il y a une part de souffrance. Vous savez, suivre Jésus, il y a une part de souffrance. De suivre Jésus, de renoncer à nous-mêmes, de se tenir pour lui dans le monde, il y a une part de souffrance. Si tu ne souffres pas pour Jésus, pose-toi des questions. Il y a une part de souffrance. Et l'apôtre Paul dit cette souffrance-là, c'est une bonne nouvelle parce que peut-être que. Il y a des éléments dans la vie où on souffre maintenant, mais un jour, on va être glorifié avec lui. Ainsi, nous souffrons avec lui pour lui. Nous allons être glorifiés avec lui pour lui. Et permettez-moi de faire une, une entorse. Je vais le dire comme ça. Vous savez, une grande église comme la nôtre, on, 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 il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des naissances, il y a des mariages, il y a des décès. Et euh, on ne peut pas toujours à chaque dimanche arriver avec tout, les, tout ce qui se passe dans la vie de l'Église. On le communique dans la lettre de nouvelles. Il y a des, des situations ici. Mais je vais faire une entorse ce matin parce qu'on a une sœur, une sœur de l'Église, une sœur que j'ai appris la semaine dernière qui est décédée. C'est une sœur qui, peut-être, ne la connaissait pas. C'est une sœur qui était discrète, qui avait des, un handicap euh, intellectuel et physique, qui venait pour la deuxième réunion. Et euh, elle aimait Jésus. Elle aimait Jésus, elle s'est fait bâtir il y a quelques années. Et euh, j'ai appris, donc, elle est arrivée transport adapté. Et, et j'ai appris euh, la semaine dernière qu'elle est décédée d'un infarctus. Euh, C'était la seule chrétienne de sa famille, donc euh, la famille ne fait pas de funérailles, c'est pas souligné, tout ça. Et, vous savez, j'ai un autre point pastoral là-dessus, mais, mais je trouvais important, nous, de souligner ici. Vous savez, les funérailles, c'est important. Euh, puis, parenthèse, 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 si tu un chrétien, chrétien, membre de cette Église, vous savez, dans une culture de, de moins en moins chrétienne et religieuse, c'est important de faire connaître tes volontés. Moi, je pense que si tu es un. Un chrétien, tu veux des funérailles. Pourquoi? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Premièrement, pour permettre à tes proches de pleurer ton départ, puis deuxièmement, pour communiquer à tes proches ton espérance, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Tes funérailles, c'est la dernière occasion que tu auras de témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et c'est important que vous le mentionnez à vos proches. Vous savez, des fois, nos proches, on a des proches qui ne sont pas chrétiens, c'est important de le mentionner, de le dire, c'est important de le mettre dans votre testament. Si vous l'avez à cœur. Et c'est important aussi, parce que je fais quelques petites capsules pastorales, quand vous vivez un décès, okay, souvent on va tout régler et on appelle l'Église à la fin. Appelez-nous en premier. Appelez-nous en premier. Vous savez, quand on est, on est membre, quand on suit Jésus, les funérailles, on peut avoir une belle chapelle, on peut avoir un beau, un, beau aménagement, un beau prix. Mais ce qui est important, le plus important, c'est qui va officier tes funérailles, que quelqu'un va prêcher Jésus à tes funérailles. Donc, souvent, les gens prennent pour acquis l'Église, beaucoup de pasteurs. Mais contactez-nous en premier pour s'assurer de pouvoir bien vous servir. Puis, voici mon point c'était quoi C'est, Paul dit si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Puis, on a une sœur qui n'a pas eu une vie facile, handicap avec handicap, mais qui aimait Jésus. aujourd'hui, elle est dans la gloire. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu qui nous donne l'espérance de la vie éternelle L'espoir en Jésus. Alléluia. Levons-nous. Seigneur, merci pour cette espérance. Merci pour, euh, sonneur, pour Micheline, pour plein de, de frères et de sœurs qui, Seigneur, passent dans le monde, qui, mais tu les sauves des gens qui, qui ont une espérance. Seigneur, merci encore une fois pour l'œuvre de salut. Merci de sauver des gens, de toutes sortes d'arrière-plan. Merci pour la richesse de ta grâce. Et c'est ce qu'on veut célébrer. Et Seigneur, alors qu'on étudie l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, ma prière, c'est que chaque personne qui ici, que chaque personne qui entende sur Internet, Seigneur, que si quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, si quelqu'un n'a pas fait la paix avec toi en Jésus, qu'en ce moment, par l'œuvre du Saint-Esprit, tu peux s'attirer à toi. Seigneur, que tu puisses donner la vie à celui qui est mort, que tu puisses permettre de faire ce que la chair ne peut pas faire. Donc, je te prie pour, encore une fois pour le miracle du salut de la nouvelle naissance aujourd'hui. Fais ton œuvre. Et pour tous ceux d'entre nous qui avons reçu le Saint-Esprit, alors que souvent nous savons qu'il n'y a plus de condamnation, apprends-nous. Saint-Esprit, libère-nous jour après jour de la condamnation, jour après jour de la culpabilité. Saint-Esprit, apprends-nous à marcher par l'Esprit. Apprends-nous à renoncer aux œuvres de la chair. Saint-Esprit, alors que tu habites en nous, révèle, atteste dans nos vies par des, des éléments concrets que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seulement être des enfants de Dieu qu'ils disent, qu'ils déclarent par parole, mais que nos vies témoignent de l'œuvre de grâce. Donc je te prie, conduis-nous par l'Esprit. Prie pour des frères et des sœurs qui ont une certaine crainte encore de toi. Non, il y a des frères et des sœurs qui t'aiment, mais pour plein de raisons, marche encore dans la crainte. Alors que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, tu nous as donné un esprit de libération qui nous fait crier bas père Seigneur, je te prie que tu nous gardes, que tu nous gardes comme des, des, des enfants nouveaux-nés qui dépendent constamment de leurs parents. Garde-nous dans la dépendance C est à toi, qui constamment un cri, un pleur qui monte vers toi. Disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et en terminant, alors que des frères et des sœurs souffrent pour toi, alors qu'à cause de leur foi, à cause de certaines décisions, à cause de se tenir pour ta parole, souvent une certaine souffrance. Seigneur, dans la souffrance, porte nos regards sur la gloire éternelle. Porte nos regards sur la vie éternelle. Seigneur, que par le Saint-Esprit, que tu puisses nourrir cette espérance en nous, afin que nous puissions être inébranlables tout ça pour ta gloire et ta gloire seule et tous ceux dont c'est la prière des un grain et un fort amen amen amen